Le FPC, le Scout d'Or, les alternatifs, l'Union des Juifs Français pour la paix, les jeunesses musulmanes de France en Bourgogne. Ouais, on est là. La LCR 21, NCA, nouveau parti altermondialiste. Le parti de gauche 21. Le CNT Côte d'Or. La FSU 21. FSU syndicat des enseignants unitaires. La fédération syndicale unitaire. La CGT. Attaque 21. ARAC, association de républicains anciens combattants. La CIMAD. La FPS. Les Verts, le collectif unitaire, l'EMRAP, le Parti socialiste et quelques personnalités que je cite également, Christian Paris, François Fieto, Marcel Tamen et Jean-Claude Salomon. Et les anciens combattants. Oui, l'ARAC. L'ARAC, ce sont les anciens combattants. Alors, je vous invite à vous placer derrière le drapeau de la Palestine et à avancer sur le tracé jusqu'à la mairie de Dijon, toujours dans le calme et le respect, parce qu'à Israël, il y a aussi des pacifistes qui luttent aux côtés des Palestiniens. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous vivons. Nous sommes les Nations Unies. Quand il s'agit d'un Israélien, d'un membre du peuple israélien, auquel il s'agit de la carte, et quand il s'agit d'un peuple palestinien, personne ne prend la parole. C'est une honte, c'est une honte pour l'humanité. Ah oui, et parce que les juifs, les sionistes, les fascistes, gueulent. Et c'est pour entendre les temps. Allez, on avance. Ils n'ont rien.